1 second and counting. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Hectomètres ici et 3,1416 décamètres. On enlève les mètres, on garde cela, on fait le plus grand chiffre moins le plus petit et on retrouve notre unité de mesure. Cet homme s'appelle Jacques Grimaud. Il est l'informateur de mon film La Révélation des Pyramides, auteur d'un livre du même nom, livre que nous avons tous les deux adapté pour en faire le scénario du film. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je vais brièvement rappeler que nous nous sommes rencontrés en 1998 et que j'ai pris connaissance des découvertes de Jacques au cours de la réalisation de ce site internet, lié à un clip vidéo visible sur ma page Dailymotion. Après de multiples demandes, il m'a confié la première version de son livre, de près de 1000 pages, puis plus tard une autre très allégée et plus accessible qui sera signée aux éditions Carnot en 2003, mais qui n'est finalement pas sortie et se trouve maintenant chez Guy Trédaniel, qui attend, comme nous, un éclaircissement de la situation juridique d'ensemble. C'est un livre très dense, dont une grande partie est consacrée aux relations mathématiques, et qui comporte de nombreuses citations d'auteurs, toutes soigneusement référencées. Si je prends la peine de préciser ce point, c'est que certains l'accusent d'avoir repris à son compte et sans le dire, bon nombre de choses déjà connues, alors que son apport se situe ailleurs. Lorsque j'ai commencé cette enquête, j'ignorais tout du monde égyptologique, de ses querelles à ses désaccords, et si je regardais parfois les pyramides de Gizeh avec émerveillement, je ne me posais pas vraiment de questions sur la manière dont on les avait construites. Depuis la classe de 6e, on me répétait la même histoire, celle de ce peuple égyptien dévoué à ses pharaons, et jamais il ne me serait venu à l'idée de la remettre en question. Mais confronté aux faits, j'ai dû me résigner. J'ai d'abord effectué les calculs des dizaines de fois, sidéré par cette conception étonnante. Il ne faisait pas de doute que certains nombres figuraient de manière répétée dans la Grande Pyramide, et donc intentionnels. Mais à ma grande surprise, j'ai découvert que cela ne posait aucun problème pour l'égyptologie, et que ceux qui présentaient de telles curiosités à base de nombres étaient d'office et invariablement qualifiés de pyramidiaux. Les Égyptiens avaient un jour décidé de bâtir la Grande Pyramide, à coups de centaines de milliers de personnes armées de burins de cuivre, de scie et d'outils rudimentaires, et la foi au corps, œuvrant pour le divin, ils y étaient parvenus, point à la ligne. Toute autre explication était totalement exclue. Alors j'ai lu tout ce que j'ai pu sur le sujet. De nombreux auteurs avaient remarqué d'étonnantes choses concernant la Grande Pyramide et d'autres constructions de l'Égypte et du monde, mais jamais encore les faits n'avaient été ainsi ordonnés, justifiés et reliés entre eux. Jacques présentait une vision rationnelle, factuelle, cohérente et globale de notre passé, et surtout vérifiable par tous. Au terme de ces 6 années passées à me documenter, il me fallait maintenant conclure, en allant sur place. Jacques et moi sommes partis en juin 2005 en Égypte. La 16e fois pour lui, la première pour moi. J'ai pris la claque de ma vie.
welcome anytime Egypt. L'Égypte est un pays formidablement accueillant. Malgré l'immense précarité d'une majorité de la population, les Égyptiens sont généreux, cordiaux et amicaux. Il existe différentes manières de visiter d'un peu plus près les sites égyptiens. À cette époque, sous le règne du très puissant Zahi Hawass, une autorisation officielle pouvait prendre des années ou vous coûter les yeux de la tête. Mais on pouvait aussi se débrouiller par relation et je tiens à remercier deux personnes sans lesquelles rien n'aurait pu être possible. Mohamed Abou Gourab, c'est son nom, ami de Jacques, infatigable taxi, mais aussi pâtissier, cuisinier et autres, comme beaucoup d'Égyptiens de son âge. You're welcome. Le fils du docteur Hakim Awayan, descendant d'une très ancienne famille de Nubiens, ayant toujours vécu à proximité du site de Gizeh, mon ami Bora Awayan, hélas disparu depuis. Et aussi tous ceux qui nous ont permis d'accéder à certains sites inaccessibles au public, tels que celui qui va suivre. Je n'avais jamais entendu parler d'Abou Gourab, ni même vu de photos. Selon Ludwig Borchardt, l'égyptologue allemand en charge de ce site à la fin du 19e siècle, il s'agirait à l'origine d'une pyramide tronquée surmontée d'un obélisque estimé par lui à 50 mètres de haut. Thank you.
Pour moi, l'Égypte ancienne, c'était ça. Et ce site m'a laissé une drôle d'impression. J'avais des nombres contestés et rejetés en tête, et je me retrouvais face à ce même problème devant ces curieux objets, évacués ou relégués au rang d'objets religieux. Ce n'est pas là le seul paradoxe de cette énigmatique civilisation égyptienne. Ce dont j'étais loin de me douter, car vu de l'extérieur, on imagine que tout est à peu près circonscrit par l'égyptologie, qui, bien qu'elle ne sache pas exactement comment les Égyptiens anciens avaient pu s'y prendre pour venir à bout de toutes ces réalisations, savait au moins quand et pourquoi. Déjà confronté au nombre, j'étais convaincu que quelque chose ne tournait pas rond, et ce même problème se représentait face à la pierre. J'ai donc dû me documenter, me faire expliquer, montrer les techniques et les résultats obtenus. Plus j'enquêtais, et plus je découvrais des problèmes et des manques. Se pouvait-il que Jacques Grimaud ait vu ce que l'égyptologie n'avait pas vu ? Reprenons les choses au commencement de son travail. Situé à quelques kilomètres du Caire, sur le 30e parallèle, voici le site de Gizeh. Il s'étend sur une surface d'environ 2 km sur 1, et on y trouve principalement trois pyramides. Et le célèbre sphinx, sculpté dans la roche calcaire. Selon la thèse couramment admise par l'égyptologie, ces trois pyramides auraient été édifiées durant la 4e dynastie égyptienne. La première pyramide étant celle du roi Khéops, la deuxième celle de son fils Khéphren, et la troisième celle de son petit-fils Mykérinos. Pour certains, le sphinx serait à l'effigie de Khéphren, mais pour d'autres, ce serait Khéops. La grande pyramide aurait été édifiée en 20 ans, par 100 000 hommes répartis en groupes de 30 000, qui auraient travaillé durant les crues du Nil, c'est-à-dire 3 mois par an. Mais là encore, le flou règne, pardonnez ce mauvais jeu de mots, tant sur la durée du règne de Khéops que sur la date de son début. Cette pyramide, comme ses suivantes, aurait été bâtie à l'aide d'outils rudimentaires de cuivre et de pierre par des hommes dévoués à leur roi. Mais lorsqu'on la regarde d'un peu plus près, que l'on considère tous ses aspects, de son orientation à la précision de sa construction, en passant par sa structure interne particulière, des questions surgissent. ⁇ 230 mètres de côté, 146 mètres de hauteur, plus de 2 millions de blocs de pierre. Cette pyramide, immensément grande mais d'une apparente simplicité, a été bâtie avec une précision étonnante sur laquelle tout le monde s'accorde, en faisant le grand écart pour la justifier par l'utilisation d'outils rudimentaires. Obtenir de telles surfaces, marques et assemblages en employant des scies de cuivre, des burins, des marteaux de pierre et des poudres abrasives ne convainc pas les spécialistes. Mais on ne leur donne pas la parole et quand je le fais, certains les dénigrent. Faisons tout d'abord un tour de la Grande Pyramide, afin de bien prendre la mesure de cette construction. J'étais engagé dans le cursus scolaire, on m'a demandé de faire un exposé sur le métier que j'aurais souhaité faire. À cette époque, comme j'étais bon en maths et en dessin, je voulais faire architecte. Et je me suis tourné très spontanément vers la réalisation d'une maquette dimensionnée, avec toute la problématique de construction, si possible, des édifices d'Égypte, c'est-à-dire les plus anciennes constructions taillées, en pierre taillée dans le monde.
Et je me suis renseigné sur ce sujet. J'ai trouvé le livre de Jean-Philippe Loher, et qui datait déjà quasiment d'une vingtaine d'années à cette époque. Celui-ci, hein, que tout le monde peut trouver, la couverture était refaite. Et voilà, et j'ai commencé, et tout semblait dit. Compte tenu des difficultés que je trouvais dans la lecture de ce livre, aucune précision, des erreurs dans les opérations, grande curiosité, et puis le ton assez grinçant à l'égard des gens qui apportaient des éléments nouveaux, semble-t-il, j'ai dû faire des maquettes, reprendre des mesures, calculer des proportions, et c'est l'aspect mathématique, en réalité, qui m'a fait rentrer là-dedans, parce que j'étais un peu un forcené des maths et du dessin. Voilà, grosso modo, comment j'en suis venu à rentrer dans le mystère des pyramides. D'abord, je trouve dans cet ouvrage la relation faite par John Taylor en 1859, à savoir le demi-périmètre divisé par la hauteur. Je vérifie ça, mais comme je n'ai pas pris de manière très précise la dimension en coudée, qui se trouvait une dizaine de pages avant, je fais une petite erreur, je transforme un 5 en un 6. Le résultat est en proportion, donc c'est le même résultat. Mais lorsque je m'occupe de faire les mêmes dimensions en mètres, car c'est plus facile pour faire une maquette en centimètres qu'en coudées, ou en proportion, et je m'aperçois de cette erreur. Je vais vérifier, c'est quand même une erreur minuscule. 52, 35, 98, c'est quand même la valeur du périmètre d'un cercle de 1 mètre de diamètre divisé par 6. Donc l'erreur est minuscule. C'est moins d'un dixième de millimètre. Il semble, c'est ce qu'avait trouvé Taylor, que ces proportions offrent immédiatement la constante mathématique pi, qui est la base de notre savoir et le socle de la technologie, ce qui est déjà assez étonnant. Quand j'ai pris d'ailleurs un petit document, j'ai travaillé là sur des photocopies agrandies des ouvrages de Flinders Petrie, et notamment celle-ci où j'ai fait des expériences. Et quand j'ai fait ce travail que proposait Loher sur la pyramide visible, je trouvais donc pi, mais quand j'ai fait avec la totalité, c'est-à-dire la partie dans le soubassement, la totalité de la pyramide, j'ai trouvé une autre constante, cette fois-ci exprimée au carré, phi au carré, le célèbre nombre d'or. Et là, je me suis dit, ça n'est plus possible, il y a un problème. Je me suis donc posé en réalité deux problèmes. Le premier, qu'est-ce que je fais avec ça? Le deuxième, est-ce qu'il faut que je le dise ou que je me taise? Et j'ai choisi de me taire. Donc immédiatement, cette prise de conscience m'a obligé à prendre une direction. Surtout parce qu'à cette époque, j'ignorais tout des mystères des pyramides. Je n'avais pas mis le nez dans les ouvrages spécialisés ou les ouvrages périphériques. Donc la première chose à laquelle j'ai pensé, il faudra que j'aille vérifier ces choses-là sur place. Il y a une erreur absolue quelque part. D'où vient-elle? Ça, c'était ma première réaction. Donc j'ai envisagé immédiatement, le plus tôt possible, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti en Égypte le plus tôt possible. À l'époque, j'ai dû me renseigner sur la coudée, et comme je suis un esprit très méthodique, circonspect, excessif, je me renseignais plutôt dans les ouvrages antérieurs à Jean-Philippe Loher, parce que je ne sais pas où il me menait avec ce genre d'erreur. Et je suis allé, par exemple, chez Champollion, le plus gros ouvrage de Champollion sur la coudée, c'est celui-ci, 13 pages. Je suis allé chez Edmé François Jomard, qui était le responsable de l'expédition et tout ça. Donc, grand livre, en revanche, très épais. Et tout cela restait confus parce que les éléments que j'avais découverts aussitôt après, en réfléchissant simplement comme un élève de cette époque-là de ma vie, je trouvais des choses anormales. On disait de la coudée qu'elle avait une longueur variable. J'imagine pas qu'on se lance dans des édifices de cette dimension avec des éléments métrologiques variables. Un étalon, pour moi, c'est une dimension très clairement établie. Donc je me suis penché sur comment établir les vraies dimensions. J'ai remarqué immédiatement que quelque chose manquait dans tous les ouvrages que j'avais consultés lorsqu'on disait on a pris la méthode aliquot, c'est-à-dire qui consiste à diviser un bâtiment par le nombre d'étalons dont on imagine qu'il est constitué. Le problème, c'est que la Grande Pyramide est quasiment détruite sur toute sa base. Il ne reste rien d'originel, pas même les contreforts qu'on y voit. Ça n'a rien de cette époque. Là, je me suis posé des problèmes. Je suis allé lire un peu partout dans les bibliothèques. J'ai un très grand nombre de classeurs où j'ai tout noté, j'ai réduit constamment jusqu'à avoir l'essentiel. Au lieu d'aller vers la complexité, je suis allé vers la pensée la plus simple. Pourquoi a-t-on besoin d'un étalon? Pourquoi serait-il variable, etc. Et ce que j'ai trouvé m'a un petit peu désorienté. Toutes les dimensions qui sont données sont variables. On donne la Grande Pyramide pour 230 mètres à 234 mètres de base, ce qui est quand même grossier comme mesure, surtout si on a un étalon variable. Le problème qui subsistait, c'est l'étalon, où le trouver? D'abord, mon premier sursaut, ça a été en visitant les musées en Europe, British Museum, le Louvre évidemment, en Allemagne, etc., en Italie, collection assez riche, et on ne montrait que des
coudées en bois, alors que Champollion dit qu'il y a des coudées en pierre. Premier étonnement. On en montre très peu, puisqu'on en a environ 130, ce qui fait très peu. Une pour le Louvre, c'est ridicule. Une pour le British Museum, ridicule, etc. Le musée de Turin, pareil. Donc toutes ces choses-là m'ont embarrassé. Ce bâtiment, cet édifice, lorsque le soleil donne, eh bien, il prend une dimension. Lorsque c'est le froid, il se rétracte. Lorsqu'il y a de la chaleur, il se dilate. Donc les dimensions étaient étroitement dépendantes du moment et du lieu de la prise de dimension. Ça, c'était la première prise de conscience. Après cela, je me suis dit, où trouver un endroit où il n'y a pas de variation hygrométrique ou calorifique ? Ben, c'était la chambre haute. Elle est en granit. Donc je me suis renseigné. Dans l'OR, absolument rien. Dans la plupart des livres, rien. Donc cela m'a pris un certain temps pour trouver le secret de cette chose-là. Et je l'ai trouvé de manière paradoxale, non pas dans des livres d'égyptologie, mais des livres liés au compagnonnage, à la construction, où on nous montrait tout un étalage de dimensions qui sont liées les unes aux autres. Et ce que je remarquais immédiatement, c'était la liaison par le nombre d'or. J'ignorais quand même ce qu'était le nombre d'or dans son essence encore. Donc j'ai recherché, j'ai calculé, j'aimais beaucoup cela. Et j'ai trouvé une particularité extraordinaire qui a fait quand même quelques images des films, le lien entre pi et le nombre d'or au carré. Donc là, c'était verrouillé, je savais qu'il y avait un vrai problème. Dans ma famille, il y avait un architecte qui était en quelque sorte mon modèle et qui avait grand humour et surtout une rigueur absolue dans son travail. C'est à lui, sans lui dire ce que j'avais découvert, que j'ai fait faire les vérifications. Il a donc contribué à cet éclaircissement pour moi. Il m'a fait m'enterrer littéralement dans mon travail, c'est-à-dire que je n'en parlais à personne. Il est arrivé une époque de ma vie, quand j'ai commencé à être solidement établi adulte, où j'en ai parlé à peu de personnes. J'en ai parlé, par exemple, parce qu'on avait des activités communes au colonel Guy-Claude Mouny, qui en a fait des livres, mais il avait suivi mon instruction, à savoir « tu ne parles jamais de la source », c'est-à-dire de moi. J'ai fait la même chose auprès d'un membre de l'association Atlantis, qui est l'une des plus anciennes en ces matières de recherche en France, qui est actuellement traîné dans la boue, on la traite de secte, peut-être parce que j'y suis passé ou peut-être parce que j'en suis sorti, mais toujours est-il qu'il était, lui, architecte de formation et il a bien compris ce dont je parlais. Je ne parlais pas d'égyptologie, je ne parlais pas d'archéologie, mais purement de mathématiques et de construction. Et je lui ai donné des éléments avec la même demande, qu'il ne cite jamais mon nom. Compte tenu de la manière dont Jean-Philippe Loher massacrait les gens qui n'étaient pas de son opinion, valait mieux que je me taise parce que j'avais en face non pas seulement Jean-Philippe Loher, mais probablement 200 égyptologues qui suivaient les traces de Loher, puisque c'était le pape des pyramides, l'empereur des pyramides, la personne qui avait consacré toute sa vie au plateau des pyramides, c'est ce que disait Jean Leclan. Mais il a avoué, Jean-Philippe Loher, n'avoir pas étudié Khéops. Il l'a avoué à des architectes. La première chose que nous sommes allés voir en 2005 était le pyramidion retrouvé à Dachour, au pied de la pyramide rouge de Snéfrou, par Rainer Stadelmann, un égyptologue allemand que nous avons interviewé plus tard. Lorsque j'ai découvert la relation entre la Grande Pyramide et le pyramidion, il avait été découvert depuis quelques années par Rainer Stadelmann, et les mensurations qu'il donnait dans plusieurs de ses ouvrages, évidemment, m'avaient laissé interloqué, puisque la hauteur valait 100 cm, 1 mètre, et le côté, pour moi, relation immédiate avec le nombre pi, 1,57 m. Il fallait absolument que je vérifie ces dimensions. Donc, en cours de route, je t'ai dit, la première chose qu'il y a lieu de faire, c'est cela. Et nous sommes allés ensemble en 2005 sur le site d'Achour, pyramide rouge, là où avait été découvert ce pyramidion. Et je pense que c'était une très bonne chose. Ça, c'est une maquette du pyramidion de Rainer Stadelmann, dont je rappelle les dimensions réalistes. La hauteur 100 cm, c'est-à-dire 1 mètre, le côté 1,57 m, la moitié de pi exprimée en mètres, et l'apothème, la ligne qui va du sommet au milieu de la base, c'est la racine carrée du nombre d'or. Voilà le problème qui s'était montré.
En outre, cette chose-là, ce pyramidion, est parfaitement homothétique de la grande pyramide, c'est-à-dire qu'il lui est homogène. On pourrait imaginer que cette hauteur ne soit pas un mètre, mais un peu plus, c'est-à-dire deux coudées, comme le propose Jean-Pierre Adam. Encore si le demi-périmètre n'avait pas fait 3, 14, 16 en mètres et l'apothème n'avait pas fait racine carrée de phi, on aurait pu supposer que c'était une hypothèse recevable. Ça n'est pas le cas. Si on considère que c'est le hasard qui est responsable de toutes ces congruences, il faut pouvoir calculer le hasard, c'est-à-dire donner un élément de statistique. Or, quand il est fait, on trouve la même valeur qu'avait donné Claude Gunzling dans le film, à savoir c'est infinitésimal. Et j'attends volontiers les mathématiciens sur ce sujet. La chose troublante est que cette justification mathématique de l'origine de la coudée et du pourquoi de son choix implique nécessairement que les bâtisseurs de la Grande Pyramide aient eu cette connaissance. Ce qu'aucun égyptologue n'était prêt à admettre, excepté Jean Leclan, aujourd'hui disparu, qui nous avait confié son point de vue sur la question. On dit que la première pyramide en Égypte fut celle de Saqqara, dont j'attire l'attention sur le fait que c'est le mot ziggurat des Sumériens et surtout de leurs successeurs. Donc première chose, si c'est une pyramide à degrés et qu'elle ressemble aux pyramides qu'on trouvait dans cette partie du monde, c'est peut-être un hasard. Mais moi je rappellerai que Diodore de Sicile dit très clairement « les Babyloniens, ce sont des Égyptiens émigrés ». Donc je pense plutôt que c'est l'inverse qui a dû se produire. Donc ça c'est une opinion que je défendrai volontiers à un autre moment. En revanche, quant à la suite des édifications des pyramides proposées par les égyptologues, éventuellement les architectes comme M. Adam, pour moi, me paraît la plus délirante possible. On aurait pu les classer, par exemple, du nord au sud, ou par volume, ou par complexité de réalisation. Rien n'a été fait dans ce sens-là. On impose une suite pseudologique de réalisation en disant « le plus grand des bâtiments, c'est la Grande Pyramide, donc c'est elle qui est le sommet de la réalisation. » La preuve, Khéops, c'est la plus grande. Ensuite vient Khéphren, qui est plus petite, et on voit une minuscule, littéralement minuscule, qui est quand même assez importante. Mais Kérinos, tout cela, pour moi, ça n'a aucune logique. Il y a une logique interne à l'édification, et on ne voit pas d'ailleurs que la précision ou l'exigence de précision est variée d'une pyramide à l'autre. Cette idée, pour moi, vient du fait que, comme personne n'a étudié de la même manière que je l'ai fait les autres pyramides, on n'aperçoit pas que ce sont des recueils d'éléments mathématiques, elles aussi. Comme il y a une évolution logique dans le caractère des mathématiques, forcément, les pyramides viendront dans cet ordre logique. C'est pourquoi, avant la grande pyramide de Khéops, il y a la pyramide rouge et son pyramidion. Avant la pyramide donc, de Snéfrou, la pyramide rouge, il y a celle de son père, Houni, etc. Ce sont des choses qui sortent d'une logique. Déjà, ça combat une idée absolument de manière totale. Il n'y a pas un plan par pharaon ou par roi, mais un plan global. L'exposition des grandes pyramides a été faite avec une logique profonde qu'il faut découvrir. C'est à ce moment que je me suis intéressé plus particulièrement à la réalisation de cette pyramide et à son cahier des charges. J'ai eu la surprise de découvrir qu'il était toujours minimisé dans les documentaires et les livres académiques par rapport à de nombreux éléments apportés par Jacques, à commencer par ce que j'ai appelé dans mon film les 8 faces de la grande pyramide. Car en réalité, peu de théories prennent en compte tous les aspects. Par exemple, pour faire un site aussi plat que possible, des difficultés très particulières surgissent. On peut dire, comme le disent les archéologues et en même temps les architectes et les égyptologues, qu'il leur a suffi d'araser grossièrement, de faire des rigoles, de les remplir d'eau et prendre les mesures sur les bords de l'eau, puisque celle-ci est toujours horizontale dans quelque situation que ce soit. Cette chose n'est pas envisageable puisqu'il y a une colline au milieu et qui empêche toute possibilité d'avoir des visées et en plus d'avoir un quadrillage qui permettrait d'avoir une horizontalité parfaite. Je pense que ce sont d'autres moyens qui ont permis cette horizontalité. Je rappelle que sur 230 mètres, la différence d'horizontalité, et encore n'est-elle pas à l'origine de l'édifice, c'est 2 cm et 1 mm, c'est-à-dire une misère par rapport aux 146 mètres de hauteur et plus, et 230 mètres de côté. Je ne sais même pas si on pourrait le faire aujourd'hui. Autant qu'ils m'en souviennent, le responsable du site de Millau avait dit que lui, il ne savait même pas par où commencer.
il faut d'abord établir la base de la Grande Pyramide. C'est très technique parce que toutes les pierres sont différentes les unes des autres. C'est une stéréotomie très complexe. C'est-à-dire chaque angle est parfait dans la pierre d'accueil, celle qui va recevoir la pierre suivante, et ainsi de suite. Et ça se prolonge sur 60 000 mètres carrés environ. C'est un énorme travail. La stupéfaction, moi, quand j'ai lu l'OER, il n'en parle même pas. C'est comme si ça n'existait pas. On considère la pyramide, on dit c'est un tombeau et ça s'arrête là. Ça, c'est très gênant pour ma manière de penser. Ensuite, il a fallu mettre un radier. Mais pourquoi un radier? C'est la question que je me suis posée et j'ai trouvé, puisque la Grande Pyramide, dans sa dimension brute, hors du sol, plus le radier renvoie à d'autres dimensions qui, elles, renvoient aux constantes. Ayant fait ce constat dans le livre de Jean-Philippe Loher, je me suis retrouvé confronté à moi-même. Où trouver un plan? J'ai cherché, je n'ai jamais trouvé de plan. En revanche, j'ai trouvé des affirmations telles que celle de Ludwig Borchardt qui dit que ça a été fait de manière empirique. On a fait la chambre basse, ça ne convenait pas. On a projeté une chambre médiane qui ne convenait toujours pas. Mais là, on s'est décidé à faire une grande galerie pour aller par un boyau aussi petit que le précédent dans une chambre haute qui, elle, change d'un seul coup. On n'est plus dans le calcaire, mais on est dans le granit. Donc j'ai comparé tous les ouvrages qui donnaient des dimensions, j'ai comparé les ouvrages où on parlait de la valeur de la coulée, etc., depuis les plus anciens. En fait, j'ai été plus rationnel, me semble-t-il, que la plupart des gens qui ont fait les recherches. J'ai commencé par Hérodote, je suis passé par les historiens qui viennent après, que ce soit Diodore de Sicile, que ce soit Strabon, etc., jusqu'à arriver à l'époque d'Athanase Kircher, au XVIIe siècle. Et après quoi, là, il y a une divergence, parce qu'Athanase Kircher laisse entendre qu'il y avait des valeurs sacrées, mais il ne dit pas exactement quoi. J'ai supposé que les valeurs sacrées, ça pouvait être celles que j'avais découvertes. La conséquence, c'est que je ne pouvais plus me fier exactement aux choses affirmées. J'avais lu également dans les ouvrages d'Angleterre, celui qu'a rapporté Graves pour le bénéfice notamment d'Isaac Newton, qu'il y avait de tellement grosses erreurs, je le donne comme exemple. Ils disent par exemple qu'il y a 5 dalles qui constituent le plafond, ce qui n'est pas vrai, qu'il y a 9 assises, c'est l'inverse. Enfin, toutes ces choses-là, j'ai dû les vérifier une par une par moi-même. Et petit à petit, reconstituer l'idée que je n'avais pas. Je n'avais pas d'idée préconçue, moi, en travaillant sur les pyramides. Je me disais simplement, qu'est-ce que c'est que cette chose-là bizarre, voilà, énigmatique. Pourquoi il y a tant de problèmes sur cet édifice, qui par ailleurs est le plus ancien construit et le plus précis, etc. Pourquoi faire venir du granit de 885 km du site, alors qu'on pourrait faire la chose en calcaire, surtout lorsqu'on a prévu une superstructure qui devrait dégager la dite chambre du poids de ce qui la surmonte. Enfin, il y a un délire, puisque la chambre qui est en dessous n'est pas même capable de cela. Elle est en calcaire et elle est bien centrée, donc elle a toute la masse. Cet exemple est relatif à ce que j'appelle la géométrie courbe. On est habitué, nous, à faire des droites, etc., divisées par portions, et ici, il semble que ce soit un peu différent. D'abord, j'attire l'attention sur ce qu'on appelle la sable des pillards, dont on dit qu'elle n'est pas constitutive de la construction elle-même. Cependant, lorsqu'il y a une grotte ici, lorsque je pointe mon compas ici et que je le mets ici, le résultat me donne le côté exact de la chambre haute. Je recommence, sauf que je positionne mon compas cette fois-ci là. Et le résultat, c'est qu'il y a une congruence, une fois de plus, entre ça, le centre de la chambre médiane, et la sortie de ce couloir. Pour ce qui est des couloirs, on regardera ici et là, et on s'apercevra que très curieusement, ces portions-là mesurent 1 mètre exactement. Pourquoi ne le dit-on pas? Et si l'on peut sortir ici de part et d'autre, eh bien pour viser des étoiles, qu'en sera-t-il ici, puisque ça s'arrête à l'aplomb de ces choses-là? Ça, ce sont les mystères. Je ne pense pas qu'ils étaient résolus par Robert Bobal, par Graham Hancock, ni quiconque. On en donnera les solutions dans les prochains films. Voilà qui va faire grincer des dents, celles de nos détracteurs qui nous accusent de faire du marketing avec le sujet pour nous en mettre plein les poches, pour monter une secte ou autre chose du genre. Laissons tout ce petit monde s'empêtrer dans ses propres contradictions et ses délires vénéneux et revenons à plus sérieux. Certains doutent de ton honnêteté justement à cause de cette manière de faire. Ça n'était qu'une introduction à la problématique générale de mes découvertes. On est passé par la Grande Pyramide parce que c'est elle qui détient en quelque sorte la clé de l'ensemble. Ça a été assez clairement dit, me semble-t-il, dans ce film.
mais par le fait que les problématiques qu'on va trouver sur tous les chantiers du monde, quels qu'ils soient, dès qu'ils comportent des éléments énigmatiques, ceux de l'équateur penché, obligent à passer par un exposé méthodiquement engendré. Je ne peux pas dire d'un seul coup toutes les choses que je sais. Je suis obligé, en quelque sorte, d'avoir un exposé pédagogique qui explique. Parce que je veux que tout le monde puisse vérifier. Je veux que ce soit conçu comme une démonstration à laquelle tout le monde puisse accéder. Sinon, ça n'a pas de sens. Je pense que si je dis cela et que je donne un gros bouquin, il serait tellement farci de mathématiques. Souviens-toi, ta réaction, au vu de mes 1000 pages, est essentiellement faite de mathématiques. Parce que la mathématique, c'est un langage universel, intemporel et absolu. C'est-à-dire, les chiffres sont là, on va vérifier, pas de problème. C'est ce que tu as fait toi-même, d'ailleurs, vérifier sur place. Et tu as vu, lorsque tu m'as filmé, j'ai tiré un ruban de métal d'un côté du pyramidion à l'autre, et il y avait effectivement 1,57 m, et on ne pouvait pas tourner autour du pot. Maintenant, il en va différemment, puisque c'était transformé. La hauteur, c'est 1,17 m, et la largeur, 1,04 m. Continue, même dimension ici, sauf que l'angle de descente a été retourné, l'angle de montée est le même. On arrive ici, sans préavis, à une grande galerie qui fait quand même plus de 8,50 m de haut, près de 50 mètres, 48 mètres et quelques de longueur. Mais pourquoi faire, si ce n'est pour passer au couloir horizontal, dont on s'aperçoit que là, le déhanchement, si je puis dire, qui fait une coulée, est exactement au-dessus de ce déhanchement-là, qui passe d'une pente à une horizontale. À quoi ça sert et comment fait-on cela, sans outils, sans instruments? C'est-à-dire qu'on a une connaissance très précise, du point de vue de la géométrie et des mathématiques, de ces relations dimensionnelles. Ça fait partie des multiples problèmes que l'on trouve dans cet édifice. Sans compter que là, on a un double chevron, mais là, il est triple. Celui-là est nettement plus pesant, puisque la différence est exprimée par cette dimension-là. Celui-là est plus petit, ça c'est du granit, ça c'est du calcaire, qu'on nous explique cela. Je sais que les architectes de métier ne donnent aucune explication, autre par exemple que celle de M. Gantenbrink, qui est un ingénieur allemand. Il dit ça ne correspond pas du tout à l'idée d'une chambre de décharge, ça n'a strictement rien à voir, c'est une autre fonction. Lorsqu'on arrive dans la chambre haute, toute de granit, on n'y trouve qu'une seule chose, un coffre. Déjà, cette chambre est minuscule par rapport à la chambre mortuaire de Toutankhamon, alors que Toutankhamon était un minuscule roitelet par rapport à Khéops. Ce qui étonne dans le coffre, c'est la pureté des lignes, c'est-à-dire on a creusé un morceau de granit brut, on l'a écarri, épanelé, comme on dit, et c'est une perfection dans la réalisation. C'est une chose, je rappelle quand même, qui a près de 5000 ans.
Et la difficulté majeure que j'entrevois, c'est la perfection dans la réalisation des angles, et notamment de l'angle dièdre au fond. C'est-à-dire on a trois dimensions qui se télescopent et l'angle est parfait. J'imagine mal quels sont les outils que l'on peut mettre en œuvre pour réaliser ce genre de choses. Je demande aux archéologues, M. Jean-Pierre Adam, expliquez-nous. À remettre les choses dans leur contexte. 2700 ans avant, si l'on suit les datations proposées par les égyptologues, nous avons un édifice gigantesque dont la précision laisse rêveur, l'orientation laisse rêveur, les conditions de réalisation laissent perplexe, dubitatif, etc. Et on nous affirme que cela, c'est un tombeau. Parce qu'on aurait décidé qu'à l'origine de l'Égypte ancienne, il n'y avait que des occupations de type religieux. Or, je m'élève contre cela, on a Norman Lockyer, qui était le créateur de l'astrophysique, tiens. C'est un monsieur qui a créé la revue Nature et qui avait, lui, perçu que dans toutes les civilisations anciennes, on se préoccupait du ciel, des calculs qui allaient avec, et que par conséquent, la probabilité était très élevée que les calculs liés à la géométrie du ciel aient engendré les mathématiques sur Terre. Donc ces choses-là sont évacuées et c'est une méthode à laquelle on est confronté, à savoir, cette chose-là n'entre pas dans notre plan, c'est dehors. Et on verra, comme tu l'as vu en Égypte, lorsque tu vois des choses qui n'entrent pas dans le plan prévu par les égyptologues, peut-être de manière consensuelle ou non, peu importe, le résultat, c'est qu'on n'entend jamais parler de ces choses-là. On ne les voit jamais nulle part. Je donne un exemple, Borchardt, lorsqu'il va à Abu Ghraib, il en fait un ouvrage. Est-ce que vous trouvez cet ouvrage en librairie ? Jamais. Bien que nous n'ayons pas traité le comment dans le film, on me reproche aussi parfois d'avoir négligé les théories des autres au profit de celles de Grimaud. Je vais donc répéter que mon film ne présente pas de théorie, mais offre les prémices d'une démonstration. Qu'il n'a pas vocation à répondre au comment, mais au pourquoi de la Grande Pyramide, question résolue depuis longtemps par l'égyptologie, par la thèse exclusive du tombeau. On affirme que la Grande Pyramide est un tombeau parce qu'on imagine que les premières pyramides, c'était le mastaba, c'est-à-dire l'édifice consacré au passage de la vie à la mort ou à l'au-delà, et que conséquemment, si on met les uns sur les autres plusieurs mastabas, ça va faire une pyramide à degrés, d'abord, ensuite une pyramide plus étoffée, une pyramide plus hardie, audacieuse, une pyramide lisse. Pour ma part, il n'y a rien qui permettrait d'affirmer que c'est un tombeau. On n'a jamais trouvé de dépouilles mortuaires humaines dans quelque pyramide que ce soit. On a trouvé même des pyramides inviolées. Lorsqu'on les a ouvertes, on a trouvé le coffre fermé. Et quand on a ouvert ce coffre, il n'y avait personne dedans. Mon idée, c'est que dans ces pyramides, ce sont des valeurs éternelles qui sont mises à disposition. C'est ça l'éternité selon les pyramides, c'est pas autre chose. C'est-à-dire des éléments qui permettent à l'homme de s'émanciper du poids de la nature, qui est très contraignante, qui lui permet de comprendre le milieu dans lequel il vit, et surtout pour eux peut-être, comme certains d'entre nous de nos jours, s'apercevoir que le langage mathématique, c'est un langage intermédiaire entre le langage de tous les jours et le langage du créateur divin. Moi, je n'entre pas dans ces considérations religieuses, je dis simplement que c'est dans le décor. Voilà. Pour certains, les faces de la pyramide, recouvertes de leurs blocs de parement, ne seraient pas renfoncées sur l'apothème, ici, mais lisses, ce qui signifierait que ce creusement aurait été compensé par les blocs de parement. Alors les blocs de parement, ils sont tous équarris de la même manière, c'est-à-dire avec un angle de pente correspondant à celui de la Grande Pyramide. Comme il n'en reste pratiquement aucun de l'époque, ce qu'on voit, face nord et face sud aussi bien, ce sont des choses qui ont été remises en œuvre au XIXe siècle, notamment lorsque la reine Victoria est venue visiter les Grandes Pyramides.
M. Loher donne pour le nombre de blocs de parement plus de 115 000. Mais on a d'autres dimensions qui ont été faites. Notamment, on a pesé un bloc de parement à l'époque de Napoléon, ça dépassait 10 tonnes 5. C'est-à-dire, ce sont des blocs énormes. Et là, c'est contradictoire. 115 000 blocs de 10 tonnes 50 en moyenne, c'est quelque chose de colossal. Et comme on le voit sur la pyramide intermédiaire, la pyramide médiane, dite de Khéphren, ces blocs sont tellement bien assujettis qu'il en manque toute la base. Il ne subsiste que ce duo, mais il ne tombe que très rarement. La pyramide médiane ne présente pas les renfoncements, la concavité qu'on trouve à la fois sur Mykérinos et Khéops. Ça devrait questionner les négateurs. En fait, quand on traite de farfelus des gens qui cherchent, c'est quand même une insulte. Ces gens-là cherchent avec sincérité, essayent. S'ils s'égarent, c'est normal. Tous les risques sont chez le chercheur, pas chez le critique. La pyramide médiane, ou la troisième, dite la petite ou de Mykérinos, sont complémentaires de la première. Elles sont enchaînées l'une à l'autre par les espacements de leur centre, d'une part, par les angulations qu'elles font les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire que la dernière, la plus petite, est légèrement décalée des deux autres. On imagine que c'est la constellation d'Orion qui est en question, avec le baudrier d'Orion qui présente les mêmes angles. Ça méritera d'être discuté dans un film ultérieur. Mais elles sont liées horizontalement et verticalement par des lois absolues qui sont des lois de la géométrie mathématique. Elles ne sont pas là au hasard, ça n'est pas la fantaisie de tel pharaon suivant l'autre, etc. Peut-être est-ce une affaire de famille, auquel cas les pharaons seraient aussi les récipiendaires, religieux ou non, d'un savoir en évolution. Sur les grandes chaussées qui démarrent des pyramides, qui allaient jusqu'au Nil, on voit toutes sortes de marques. Déjà, Hérodote précise qu'il aura fallu 10 ans pour les réaliser. Moi, ce que je constate, c'est que vu du ciel, ces angles que font ces grandes chaussées sont les angles exacts que fait le soleil à l'horizon. Ça me paraît plus plausible comme hypothèse de travail, mais elle est rejetée immédiatement. Je suis un illuminé, un pyramidio, la chose est entendue. Mais la question reste. Donc pourquoi il y aurait cette coïncidence entre la trajectoire du soleil à l'horizon est du site et le fait que ces chaussées soient exactement dans ces dimensions angulaires-là? Alors, réponse probable, oui, mais on vénérait le dieu Ra ou éventuellement Horus ou qui, peu importe. Le problème, c'est que ça devrait s'expliquer au-delà de ça. Ces gens-là ont donc fait de l'observation du ciel une de leurs priorités et ont reproduit, comme je le prétends, ce qu'ils comprenaient du ciel sur la Terre. Ils ont vu le caractère absolu et rigoureux des mathématiques et ils pensent, je crois, que c'est là le langage éternel. Tout ton travail mathématique repose sur les dimensions particulières de la Grande Pyramide ainsi que sur la définition de la coudée. Or, le revêtement n'étant plus aujourd'hui, on t'accuse de vouloir faire correspondre les dimensions supposées avec celles qui t'arrangent. On t'a attaqué sur le fait que tu ne prennes pas en compte le creusement des faces dans tes calculs. La dimension exacte de la coudée se déduit, comme je l'ai dit dans le film de Patrice Pouillard, de la différence entre une constante mathématique universelle, naturelle, irrationnelle et une autre de même nature, première chose. Deuxième chose, cette valeur de la coudée n'est pas isolée. Elle appartient à un ensemble métrologique coordonné dont tous les éléments font apparaître la valeur du nombre d'or. Et ça n'est pas pour rien qu'on trouve partout dans l'histoire, notamment européenne, mais même en Chine, là où je me suis donné le plaisir d'aller, des éléments qui sont en relation avec le nombre d'or ou des parties du nombre d'or, voire même pi, le nombre d'or et d'autres. Je dis simplement, parce que je pense que ça va intéresser les gens passionnés de LRDP, dans le prochain film, je parlerai d'une autre constante qui
intervient avec les deux premières. Et là, je ne pense plus pouvoir entendre ce qu'on appelle le hasard qui viendrait faire intervenir trois constantes universelles, irrationnelles, etc., qui sont les bases des mathématiques de tous les temps et dans tous les espaces possibles. Sans le rapport pi, on ne fait rien dans l'industrie, on ne fait rien dans les sciences. Tout est coordonné là-dessus. Et pour aller calculer ce qui se passe dans le ciel, encore plus, rien. Pour ce qui concerne la coudée, on avait coutume de définir celle employée pour la construction de la Grande Pyramide à 0,5235 mètres. Je dis on avait, car aujourd'hui, il semblerait qu'elle se contente d'osciller entre 52 et 53 cm. Et certains te reprochent encore de la choisir pile à 0,5236 pour ainsi justifier tes conclusions. On a aperçu qu'il y avait un certain flottement dans le comportement des égyptologues, tant en France qu'en Égypte, et on voit aussi le flottement apparaître directement dans les mensurations des édifices. Par exemple, l'ingénieur anglais Cole, en 1925, donne des mesures extrêmement précises, puisque la conversion de ce qu'il donne en mesure anglaise en mesure en mètres donne la dimension que je propose pour la coudée, c'est-à-dire 0,52,36, premier élément. Deuxième élément, on lit tout, et j'ai beaucoup lu, et on trouve des fantaisies. Moi, j'aimerais bien qu'au-delà de ces fantaisies, on nous cite les éléments factuels desquels on prend ces dimensionnements. J'ai pu mesurer très précisément, par tout moyen disponible, la chambre haute, et je pense et j'affirme que la dimension correcte de la coudée, c'est bien 0,5236, et c'est bien lié à pi. Et c'est bien lié à phi au carré, et on verra à une autre constante universelle mathématique découverte il y a à peine 2 siècles. Je laisse les amateurs la trouver. Il y a des personnes qui prétendent que je mettrais des liens analogiques, etc., que j'abuserais des statistiques. J'ai donné cette forme-là, et Patrice l'a trouvée correcte moralement, culturellement, intellectuellement, parce que simplement, tout le monde peut vérifier. Donc, toutes les choses qui sont dites à travers ce film, qui auraient dû être complétées par des livres, par des DVD, et notamment 13h40, je crois, de bonus dans le DVD, ne sont pas étayées parce que ces choses-là ne sont pas sorties à cause d'un... C'est-à-dire quelqu'un qui prétend avoir fait les découvertes que j'ai faites, alors qu'à cette époque-là, il n'était même pas né. Nous sommes dans une situation... pénible, désagréable et qui dure parce que la justice a son temps et je respecterai ce temps. Voilà. Tu découvres donc des rapports mathématiques étonnants entre les dimensions de la Grande Pyramide. L'amusant là-dedans, c'est justement parce qu'on n'a pas retrouvé de plan de construction que tu es obligé d'essayer de le reconstituer et donc que tu te retrouves confronté au nombre. Pour toi, c'est une volonté de leur part et cela fait partie intégrante de leur enseignement. Bâtir un édifice qui parle à ce que tu appelles l'œil de l'esprit. Pour moi, le fait qu'il n'y ait pas de plan dans ce type d'édifices, qui sont sous-entendus comme étant de nature religieuse, que ce soit d'ailleurs en Thaïlande, au Cambodge, etc., ou en Amérique du Sud, ou en Europe, le fait même qu'il n'y ait pas de plan, je crois que c'est une partie de ce langage, et je le dirais sous cette forme. Ceux qui étudient les âges anciens, la pensée ancienne, sauront immédiatement que ces personnes-là ne signaient aucune de leurs œuvres par déférence pour la divinité créatrice qui leur donne tout, leur propre existence, la vie, etc., la créativité, l'observation, tous ces éléments. Et ils disaient, et ça dès le début de la civilisation égyptienne, ils disaient ceci, à savoir que la divinité ne dit pas, elle signifie. Donc c'est à nous de rechercher. S'il n'y a pas de plan, il y a peut-être une raison, rechercher le plan. Alors en ce qui concerne la Grande Pyramide, on m'a dit « mais tu as construit le plan tout seul puisqu'il n'y en a pas ». Mais je rappelle que pour les grandes cathédrales, il en va de même. Et pour nombre d'édifices colossaux sur la surface de la Terre, est-ce qu'il y a des plans pour Machu Picchu ? Je ne le sache pas. Sacsayhuaman, pas davantage. Angkor Wat, pas davantage, etc. Le fait, par exemple, qu'Angkor Wat ait été construit à l'époque des grandes cathédrales, il n'y ait pas de plan, c'est peut-être un indice positif pour ma démarche et peut-être négatif. On ne peut pas juger sans avoir fait la démarche que j'ai faite, qui est un enchaînement logique. Donc, c'est une erreur considérable que de juger un ensemble qu'on ne connaît pas sur une simple introduction. Et qui a été soft, bien qu'elle paraisse très dense, elle est très soft par rapport au film suivant. Pour les Égyptiens, contrairement aux Grecs, c'est le concret qui prévaut. Pour eux, les Grecs sont des gens qui cherchent des théories, qui généralisent et qui ne tiennent pas compte de la création telle qu'elle est. Et en conséquence, ils leur disaient « vous les Grecs, vous vous satisfaites du bruit des mots ». C'est assez explicite, ça veut dire rechercher sur les choses qui sont et non pas sur les choses que vous croyez qu'ils sont. C'est le même travers que je ferai à la science moderne. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a de grandes difficultés actuellement à sortir des contradictions et des paradoxes qui sont engendrés par ce type de pensée. Une des choses qui m'a le plus dérangé dans cette enquête est l'idée de la transmission secrète d'une connaissance.
J'avais déjà lu des choses à ce sujet dans l'ésotérisme qui revendiquait la transmission d'un savoir dont il semblait être question, mais j'avais rapidement été rebuté par le manque de rigueur de ses écrits. Faire table rase impliquait de considérer la Grande Pyramide sans idée préconçue, comme un objet géométrique, indépendamment de la pensée de l'égyptologie. Démarche employée par Jacques qui attira mon attention sur le fait de penser autrement. Une autre approche, comme le montre le bref exemple suivant, issu de la pensée hermétique. Je vais donner un exemple de la leçon de la polarité offerte par mon grand-père. Il nous dit, regardez les hommes, ils ont les épaules larges, carrées, et les hanches étroites. Et il dit, regardez les femmes, ils ont les épaules étroites et les hanches larges. Donc ici, il y a d'ores et déjà un axe. Cette chose-là se trouvant ici, celle-là ici. Maintenant, chose un peu délicate, mais pour les hommes, les organes sexuels sont extérieurs et rapprochés. Pour les femmes, ils sont intérieurs et espacés. Autre leçon de polarité, cette fois-ci, en effet, sur un axe vertical. Ça, les testicules masculins sont l'endroit le plus froid du corps humain, alors que les ovaires sont les endroits les plus chauds du corps humain, intermédiaire le foie. L'homme va avoir une vie sexuelle qui commence à la puberté et s'arrête à la mort, donc sans terme, alors que pour la femme, sa vie sexuelle commence à la puberté et s'arrête à la ménopause. Dans cette période, la femme va produire environ 440 ovules et l'homme environ 660 milliards de spermatozoïdes. On voit que la nature gaspille quand elle veut. Elle est parfois économe et parfois dispendieuse. On sait que du point de vue chimique, il y a la polarité. De la même manière, le corps féminin représentant la partie acide, la partie basique étant donnée par le corps masculin. Les spermatozoïdes sont le plus grand nombre de cellules mobiles, celles-là le plus petit nombre de cellules géantes, mais immobiles. Ces polarités donc sont complémentaires, sont indispensables, et tout le plan humain est fait là-dessus. Or, mon grand-père me disait que l'univers répond à cette exigence de polarité et que lorsque l'on se place dans la synthèse de ces choses-là, on aperçoit les choses vraies, constitutives de l'univers. Et on voit que la résultante, ici, c'est un enfant qui a les caractéristiques de ses parents. Voilà les éléments essentiels. Donc, ces choses-là montrent que les polarités tiennent dans les chiffres, la production naturelle, tiennent dans la géométrie, tiennent dans l'espace, dans le temps, etc. Ça, c'est une première leçon. Les Égyptiens font état de cette polarité dans tous les cas de figure. Isis et Osiris, c'est bien un couple. Ils nous parlent du couple Nephthys et Isis, qui sont des sœurs. Ils nous parlent de l'Égypte haute, de l'Égypte basse. Ils nous disent « à droite du Nil, c'est les vivants, à gauche, ce sont les morts ». Et lorsque je me suis intéressé à cette modalité de pensée, j'ai aperçu qu'elle était congruente avec l'étude mathématique de la pyramide. Savoir, nous avons ici Gizeh, site de Gizeh, et ici l'île de Pâques. Cette distance, on la connaît, c'est 1,618 multiplié par 10 000 km. Cette fois-ci, je n'ai jamais eu jusqu'à présent de remise en question de cela. Ça, c'est le milieu du monde, ça, c'est l'extérieur du monde. Mais là où ça devient intéressant, c'est que cette polarité dont j'ai parlé tout à l'heure se retrouve. Ici, nous avons comme soubassement des roches sédimentaires, c'est-à-dire faites par le dépôt des testes animaux pendant des millions d'années. C'est l'eau qui a créé ça. Et là, nous avons des roches magmatiques, c'est le feu qui crée ces roches. Celle-là, c'est également la polarité. Autour de cet espace-là, il n'y a que de l'eau. Autour de cet espace-là, il n'y a que de la terre, hormis le Nil. Donc c'est cette polarité qui m'a guidé dans mes premiers pas pour vérifier si mes hypothèses, parce que je travaille selon la méthode heuristique, je pose une hypothèse, je vais vérifier par tout moyen et détruire cette hypothèse, ce que j'ai toujours fait dès mes débuts. Donc cette polarité est une des modalités de la pensée des anciens. Je ne dis pas des anciens égyptiens, mais des anciens en général, parce qu'on la retrouve exposée ailleurs. Je prendrai comme cas suivant Machu Picchu, qui est un site connu du monde entier, où l'on voit d'un côté Machu Picchu, qui veut dire « ancienne montagne », et en face, il y a Huayna Picchu, qui veut dire « jeune montagne ». Et là encore, il y a une relation de dualité, si les jeunes savaient, si les vieux pouvaient. On retrouve ces polarités partout dans la culture, mais on n'y fait pas attention parce que justement, rien n'apparaît dans ce décor, tout est la même chose. Il faut dire que la vraie leçon se situe verticalement et non plus horizontalement, à savoir que ce qu'on appelait symbole chez les anciens, ça n'était pas un morceau de quelque chose qu'on coupait en deux, mais la relation entre les archétypes célestes et les reproductions de ces archétypes sur la Terre. C'est pourquoi il fallait être
dans la mesure du possible, aussi parfait que le ciel était parfait. C'est cela, selon mon idée, la base des religions anciennes et notamment la religion égyptienne. Cette autre manière d'appréhender le monde est loin d'être aussi farfelue qu'elle n'en a l'air. Si elle surprend les Occidentaux, elle s'intègre cependant parfaitement dans le schéma de pensée de beaucoup de peuples anciens sur notre planète. Par exemple, ceci, qui n'est autre que la leçon de polarité exprimée par la dualité du yin et du yang. Tout est sous nos yeux, mais nous ne savons plus le voir. Et pourtant, si vous faites l'effort de vous y intéresser, vous arriverez vite à la conclusion que tout semble puiser son origine dans une source très ancienne. Arrivé à Kircher, il y avait un problème qui se posait. Il mettait en œuvre l'ésotérisme local. Je ne sais pas ce qu'il en savait, mais ça posait un problème parce que moi, je fonctionne de manière très pragmatique, très documentée. Et surtout, j'évite de partir dans le décor, j'expérimente. Donc Kircher dit ceci, ça m'a obligé à m'ouvrir à une autre forme de littérature et j'ai littéralement lu tout ce que j'ai pu, que ce soit en architecture, en histoire, en archéologie, etc. Tout ce qui me tombait sous la main, aussi bien en français, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, et voire même dans d'autres langues. Et j'ai dû affronter la littérature ésotérique. Mais là, c'est encore pire qu'en égyptologie, je n'hésite pas à le dire, on trouve tout et son contraire. Donc j'ai abandonné au bout d'un certain temps en me disant simplement la référence absolue dans ce domaine, c'est celle que j'ai découverte, c'est-à-dire on nous parle sous forme de mathématiques. La géométrie parle des mathématiques, les constantes parlent des mathématiques, il y a plusieurs niveaux et je sais que c'est un enseignement qui nous est proposé. Cela veut dire que je reproduis ce que j'ai trouver être un enseignement sous forme d'un enseignement. Et je pense que c'est une très bonne manière, pédagogiquement parlant, parce que je sais que le plus grand plaisir que j'ai vécu dans cette recherche n'est pas celui de constater que mon porte-monnaie était vide à force d'achat et de voyage, mais que je découvrais des choses que peut-être j'étais le seul, modestie oblige, à avoir découvertes. Ça, c'est une chose qui donne une grande joie, un grand plaisir de découvrir par soi-même. C'est pourquoi je le propose aux spectateurs. J'ai constaté par ailleurs que la littérature moderne mettait systématiquement en doute, non pas méthodique, mais c'est le scepticisme qui revenait le plus souvent. Et cela, ça m'a fait lire évidemment tout ce que les modernes ont écrit, mais comme il y avait derrière un scepticisme non pas lié au passé de la Terre nécessairement, mais éventuellement à des extraterrestres, des Atlantes et tout ça, j'ai abandonné ce type de lecture et surtout je ne conclut jamais là-dessus. Je m'en tiens à ce que les anciens disaient jusqu'à l'époque, disons, 1920. Au-delà, je n'en tiens pas compte parce qu'il y a énormément de cette maladie moderne du savoir, la théorie. Tout le monde a une théorie et maintenant c'est un cafouillage monstrueux. Donc je me m'en tiens exclusivement à des démonstrations. Ce que j'ai proposé pour la RDP, ça n'est pas une théorie, c'est les prémices d'une démonstration que j'entends mener lors des films suivants. On ne peut évoquer le nombre d'or et la géométrie dite sacrée sans aussitôt faire référence aux Templiers, Rose-Croix et autres confréries d'artisans et d'artistes, aspect ô combien délicat pour les scientifiques. J'affirme très clairement qu'il y a une transmission constante, secrète, pour la raison suivante, c'est que c'était des valeurs dites sacrées et religieuses. Par conséquent, on les transmettait à l'abri des impies, des profiteurs, etc., des escrocs.
et que la conséquence, c'est que ces choses sont apparues brusquement à la surface de la culture dite ésotérique, occultiste, etc. C'est pour cette raison de principe qu'on les refuse. La réalité, en science, on doit tout accepter. Tous les problèmes doivent être pris, parce que s'il s'agit de bonnes choses, elles seront positives. Si ce sont de mauvaises choses, on saura les éviter désormais, ce qui n'est pas le cas. On ne fait pas leçon des leçons, justement, de l'histoire dans ce domaine. Maintenant, quant à valider ce que prétendent les uns et les autres, je ne peux pas le faire, c'est à eux d'apporter les preuves. Dans l'opus suivant, on verra que toute l'histoire parle de ces nombres, aussi bien pi, aussi bien phi, phi au carré, racine carrée de phi, l'inverse de phi, etc. Tous ces éléments y figurent, et également la constante dont je parlerai dans le prochain film. Ça ne peut être dû au hasard, ça ne peut être dû qu'à une transmission secrète. Le problème, c'est que évoquer des choses secrètes, ésotériques, etc., immédiatement, c'est balayé d'un revers de main, vous êtes désilluminé, on ne discute pas de cela. Mais moi, je sais aussi bien calculer qu'il se peut. Et de ce fait, je vois que ce sont des calculs qui permettent d'arriver à ces notions-là, pas un raisonnement ésotérique. Donc je ne vois pas pourquoi on refuserait d'étudier les éléments factuels, fussent-ils sous la forme de mathématiques. Pour ce qui est des nuances à apporter, l'occultisme et l'ésotérisme sont rejetés sur un principe totalement délirant. Parce que c'est simplement, le mot ésotérique, ça veut dire qu'il vient de l'intérieur des choses. En réalité, c'est une bataille rangée entre des personnes qui disent « au-delà des apparences, il y a du sens » et d'autres qui disent « non, le sens, il émane des apparences ». Ça, c'est la base de la philosophie scientifique réelle. Personne n'a tranché avec autorité. Moi, j'ai tranché pour moi-même, par expérience, par expérimentation, en allant tout le temps sur les terrains, en vérifiant tout ce que j'ai fait. Je n'avance à rien que je n'ai vérifié moi-même. Ça ne me fait aucun problème de continuer à dire que l'occultisme ou l'ésotérisme, ce sont des cultures authentiques, vraiment très profondes, très étendues, très utiles, et que le fait de ne rien étudier dans ce domaine fait qu'on ne comprend rien au passé. C'est pourquoi je m'occupe également de cette culture-là. Je vais donner un exemple d'une écriture qui nous vient du passé et qui n'est pas lue parce qu'on la rejette par principe. Les anciens, mon grand-père entre autres, appelaient ça la Kabbale hermétique. Eh bien, je vais donner le mot occulte. Occultus en latin, ça veut dire caché. Mais pour cette catégorie de gens qui créent les mots, O, c'est le glyphe du soleil, un cercle avec un point dedans. C, c'est la lune. Et c'est là qu'elle s'installe la polarité. Culture de la polarité, c'est ce que veut dire pour eux occultisme. Quand on voit, par exemple, à la Renaissance, la philosophie occulte de Corneille, Agrippa, de Nettesheim, on dit occultisme. Absolutisme néant, bavardage infécond, stérilité, etc. C'est faux. Il ne fait qu'exposer des éléments qui viennent des anciens temps sous la forme que leur donnaient les anciens. C'est tout. Donc maintenant qu'on n'y croit pas, ça ne me pose aucun problème puisque je suis en mesure de démontrer ce que je dis. L'Égypte a exercé une influence considérable sur notre civilisation. Et depuis la création de l'égyptologie, beaucoup se sont consacrés à son étude. Il est donc légitime qu'on puisse regarder ton travail d'un œil sceptique. J'ai consacré mon activité dans mon existence, outre mon métier, ingénieur conseil en communication, à l'activité associative, notamment sportive, culturelle, etc. Et dans ce cadre, beaucoup de gens sont venus me voir, notamment lorsque j'étais président d'Atlantis, pour me dire « nous, francs-maçons, on a une ancienneté, etc. On date des pyramides. » Je ne suis pas contre, mais il n'y a aucune preuve de cela. Ce que j'imagine volontiers, c'est que des personnes qui ont créé une association depuis 1717, souhaite se prévaloir d'une civilisation extrêmement prestigieuse par la qualité de ses réalisations et par l'ampleur spirituelle. Parce que le problème, le paradoxe, le premier qui m'est venu à l'idée lorsque j'ai étudié la civilisation égyptienne, que ce soit dans ses réalisations et dans sa vie spirituelle, c'est on sait tout de sa vie de réalisateur à ce pays ancien. On voit les grandes pyramides, le temple de Karnak, de tout, Deir al-Bahari, tout cela nous est connu. Mais la pensée qui était à l'origine de cela, on la méprise, on la rejette, on la trafique, on la pervertit. Et ça ne me paraît pas convenable. Je pense qu'on a de grosses leçons à recevoir de ces anciens peuples. Ils ont laissé quand même des témoignages de leur puissance, sans même une signature. De nos jours, on ne peut pas en dire autant. Il n'y a pas de puissance, mais il y a des signatures. L'égyptologie contemporaine, elle est enfermée dans une mécanique, c'est-à-dire on apprend ce que les anciens ont trouvé, même si parfois il n'y a pas de vérification factuelle. Moi, j'ai toujours exigé de mon travail que ce soit étayé factuellement. J'ai toujours fait l'effort d'aller sur les sites, d'en prendre moi-même les dimensions, les comparer, etc. Ce n'est pas le cas. Maintenant, on accepte toutes les choses qui émanent des gens instruits, soi-disant.
Je parlais de Ludwig Borchardt. Le problème, c'est que Ludwig Borchardt a décidé que la pyramide avait été construite en 3 étapes. Il aura fallu quasiment un siècle pour effacer cette stupidité. Alors que quelqu'un qui regarde et qui mesure et qui réfléchit sans œillères, il voit immédiatement que cette hypothèse ne tient pas. Donc, enfermé dans ces hypothèses sous forme de poupée gigogne, personne n'en sort. Il faut regarder avec des yeux neufs. Il faut être capable d'aller pousser la controverse, comme je le fais malgré moi, ce que j'ai voulu dès l'origine refuser, comme tu sais. Mais bon, c'est un travail qu'on se doit à soi-même. S'il y a la vérité à rechercher, c'est dans la contradiction qu'on la trouvera. Je n'ai pas la prétention d'imposer quelque chose. Je dis, vérifiez ce que je dis, c'est votre métier. On peut se questionner pourquoi on a fait cela de cette manière. C'est que tôt ou tard, des gens de notre époque, c'est-à-dire des dizaines de siècles après, se poseraient la question de savoir mais comment on fait une pareille chose et pourquoi fait-on une pareille chose et pourquoi ici, etc. C'est ce que j'ai fait de manière naïve. Mais comme je suis entêté, je suis allé jusqu'au bout. Et ce que j'ai noté dans la culture égyptienne, c'est que cette culture est l'égale spirituellement, moralement, philosophiquement de ces constructions. Les plus anciens textes, on trouve parmi eux des expressions totalement adéquates à notre époque. À savoir, Imhotep disait « pas de vie morale, pas de vie sociale ». On est exactement dans ce cas de figure. La vie morale s'en va, on n'enseigne ni la morale ni la philosophie existentielle, on enseigne des théories philosophiques qui n'ont rien à voir avec la vie courante. Et toutes ces choses font que la vie devient de plus en plus difficile et de plus en plus incompréhensible, à tel point qu'on peut se demander légitimement qui a envie que ce liquide en soit ainsi. Je donnerai un autre exemple, il semblerait d'ailleurs qu'il y ait continuité, puisque c'est presque la formulation que donnait François Rabelais à la Renaissance, à savoir, toujours par le même Imhotep, « Amour et connaissance sont tout, connaissance sans amour n'est rien ». Que peut-on retrancher? Que peut-on dire de mieux, de plus? Je ne sais pas. Or, il y a des quantités incommensurable de ce genre de choses, mais on ne les exploite pas de nos jours, on ne les fait pas connaître. La seule personne, dernièrement, c'était Christiane Desroches-Noblecourt, qui avait trouvé non seulement des ressemblances entre les fables de La Fontaine, de Florian, d'Ésope et des Égyptiens, mais également des enseignements ésotériques dont elle avait beaucoup de peine à parler parce qu'on refusait de l'écouter. Mais son testament de scientifique attaché à la culture égyptienne, c'est celui que je viens de décrire, c'est-à-dire ce qu'on imagine qui est éternel, ça c'est la culture des anciens. C'est ça ce sur quoi elle se basait pour écrire et pour réaliser. Tu m'as montré sur le site de Gizeh des marques qui plaident fortement pour l'utilisation des géopolymères, les pierres moulées du professeur Joseph Davidovits. En ce qui concerne l'hypothèse proposée par Joseph Davidovits, les géopolymères, c'est-à-dire de la pierre moulée, je pense qu'il y en a et je l'ai déjà remarqué à ma première visite aux Grandes Pyramides. Simplement en observant. C'est-à-dire, je me suis posé la question, c'est quoi cette pierre? J'ai reconnu immédiatement un calcaire bien connu, puisque c'est le même qu'à Paris. Et j'ai remarqué qu'il y avait des différences de densité inexplicables dans la nature. Première observation. Deuxième observation, j'ai remarqué qu'il y avait des pierres qui étaient dans le sens de la gravitation et d'autres à l'envers. Donc, questionnement. Que je pense, au vu également des jointoiements qui sont extrêmement précis et qui suivent fidèlement, c'est qu'aucun sculpteur, aucune machine ne saurait faire cela. Par conséquent, il y a bien un procédé, puisque la chose est là, comme le dit si bien Éric Gontier, la chose étant là, on ne peut pas la nier. Or, cette chose existe sous une forme qui est inexplicable sous une autre méthodologie de création. Conséquemment, je dis, la chose qui me paraît la plus proche de ce que je vois, c'est ce que propose le professeur Davidovits. Donc, je ne me suis pas exprimé sur le sujet parce que j'attends de donner des preuves. Pour cela, il faudra que j'ai des autorisations. Mais ça bloque. En ce qui concerne la validation des hypothèses, des théories, etc., le problème numéro un, c'est que les Égyptiens, notamment Zaïawas, n'autorisait aucune recherche de cette espèce. En fait, je crois qu'il avait un précaré, celui de l'égyptologie classique, qui devait bien lui rapporter ce que ça lui rapporte, pour être pareillement opposé à toute investigation. Moi, j'ai proposé pendant 11 ans à Zaïawas des investigations qui n'abîmaient absolument en rien. C'était simplement une visite à la lampe de poche, avec mon maître en ruban, avec mes instruments de mesure, etc. Il s'est toujours refusé. En fait, il ne refusait pas de manière catégorique, il laissait traîner.
En ce qui concerne la manière dont cette chose qu'on appelle la Grande Pyramide a été réalisée, et probablement bien d'autres, parce que j'ai vu de ces éléments sur Khéops et d'autres pyramides, j'ai noté qu'il y a 8 techniques qui ont été employées, dont celle des pierres moulées. Il y en a d'autres qui sont plus subtiles, qui se voient très facilement lorsqu'on observe l'embasement de la pyramide médiane, celle dite de Khéphren, où c'est littéralement la colline qui a été sculptée et sur laquelle on a mis des assises ultérieurement d'un calcaire différent. Mais j'ai remarqué que dans cette même pyramide, il y avait certainement des cassures irrémédiables qui ont été comblées avec des géopolymères. Parce que la précision est absolue, on voit à peine, il faut être avec une loupe sur le site pour le voir. J'ai retenu fort heureusement tous les emplacements, puisque je suis un grand malade qui note tout, mais si l'occasion s'en présentait pour le film suivant, volontiers la chose serait filmée et mise en œuvre auprès au moins d'un géologue. Pour l'instant, on a des propositions de géologues du monde entier qui aimeraient pouvoir rentrer dans la réalisation du second opus pour amener leur expertise, et je les comprends. Il y aurait l'emploi de géopolymères, mais aussi de la pierre taillée. Beaucoup, et pas n'importe laquelle, du granit rose d'Aswan, à près de 900 km de Gizeh. Il y a très peu de documents sur la dureté des pierres en Égypte. Il y a encore moins de documents sur le travail de la pierre en Haute-Égypte, avec les instruments que l'on nous montre volontiers dans les ouvrages. Ces pierres-là, ce sont des pierres extrêmement difficiles à travailler parce que chacune a ses caractéristiques. On se souvient, dans le film, on voit le disque de Sabou, qui date quand même de 31 siècles avant notre ère, c'était fait en schiste. Il a été reconstitué, mais le schiste, c'est un matériau extrêmement difficile à travailler. On ne peut pas le choquer, il éclate. On ne peut pas l'abraser parce qu'on va trop loin très rapidement. Il y a différentes techniques qu'il faut connaître. Or, ce que je remarque, c'est que du résultat de toutes les pièces que j'ai vues en Égypte de près, que j'ai pu mesurer au palmaire, au pied de coulisses, etc., et mettre les doigts dedans, parce que ça importe, il y a une précision et une perfection quasi absolue. J'invite chacun à aller au Louvre, se faire une idée véritable de ce que ça représente comme travail. On a des pierres très tendres, et bien elles sont aussi difficiles à travailler que les pierres très dures, parce qu'elles cassent en un rien. Il y a notamment, je me souviens, au musée du Caire, on voit un bol, un gobelet en albâtre, et on va tout de suite dire bon, ça a été fait avec quelque chose qui tourne dedans, qui creuse l'albâtre, c'est facile. Le problème, c'est que dans l'albâtre, il y a 2 cloisons d'un millimètre d'épaisseur. Comment fait-on? Parce que cette roche, si on l'attaque avec une pierre, de la diorite, comme aurait dit M. Adam, qu'on l'attaque au maillet et avec un coin de... Je ne sais pas comment on fait. Voilà, je ne sais pas. Ces problèmes liés à la pierre, on ne les trouve pas qu'à Khéops ou sur le plateau de Gizeh. On les trouve déjà très fortement dans le temple de la vallée, qu'il faut absolument visiter, non pas parce qu'on vous dit que c'est le temple de la vallée, mais surtout parce que c'est une réalisation absolument invraisemblable, impensable. On a des pierres quand même qui dépassent les 400 tonnes et qui sont mises les unes au-dessus, avec des parements de granit et tout ça. Voilà, ça c'est un gros délire. Lorsqu'on voit avec quelle fantaisie on reprend les angles de certaines constructions, on remarque que c'est fait avec des étirements dans les angles, c'est-à-dire au lieu de prendre une pierre qui affleurerait ici, une autre ici, ou encore qui serait... Bon, ben non, on préfère faire des choses compliquées, des retours d'angles qui demandent à ce que ce soit retaillé dans la masse une fois assemblé. Ça, c'est incompréhensible. On trouve dans le temple de la vallée un bloc de diorite extrêmement finement aplani, mais tellement finement qu'avec les instruments, on ne voit pas dépasser ne serait-ce que quelques microns, c'est-à-dire de toutes petites dimensions. On n'a aucune idée de comment faire cela sans instrumentation. On ne sait pas. Ce n'est pas la main de l'homme qui est capable de mesurer de pareilles dimensions, surtout si elle passe son temps à frotter dans un mouvement qu'on repérerait sur les... Mais frotter avec quoi? Puisque la diorite, c'est bien plus dur que l'émerie, par exemple. De la même manière, au Sérapéum, on trouve une quantité considérable de ces coffres réalisés dans des pierres extrêmement dures, mais dont les parois sont parfaitement parallèles, d'une part, à quelques dixièmes de millimètre près, et d'autre part, le poli est extraordinaire, puisqu'on se voit dedans, on se reflète. Et ce travail-là, est-il nécessaire? Non. Pourquoi prendrait-on autant de soin pour faire des parois extrêmement parallèles, parfaitement parallèles, et un poli qui dépasse l'imagination? Il faut aller le voir et le mesurer pour s'apercevoir que c'est vraiment un travail extraordinaire, qui dépasse l'imagination. Pourquoi passer 20 ans, 30 ans à faire un poli pareil? Déjà, l'endroit où se trouvent ces coffres est complètement délirant. D'autre part,
C'est toujours la même question. Pourquoi cette exigence de précision? Ce sont des coffres pour des bœufs, c'est-à-dire des animaux. On n'attend pas, a priori, qu'il y ait une telle exigence de perfection. À coup sûr, ces bœufs peuvent être représentés des dieux, mais c'est un travail extraordinairement long si on n'a pas d'autres techniques. Il faut passer des dizaines d'années à frotter. Pourquoi? Et je ne comprends comment. Je ne comprends pas comment on fait des angles parfaits avec cette technique. Voilà. Je ne comprends pas, ce sont des pierres beaucoup trop dures. Mais on en a partout ailleurs. On en a, chaque site égyptien a ses propres mystères. On voit des statues qui dépassent les 18 mètres, faites d'un seul bloc, c'est-à-dire un monolithe de 18 mètres. On les connaît, colosses de même nombre. Comment fait-on ça? On ne sait pas. Il faut être clair et honnête. Intègre moralement, c'est le minimum. Ça, je ne suis pas sûr que tout le monde le soit. À ma connaissance, il y a très très peu d'objets réalisés dans des pierres aussi dures que celles qu'on a trouvées sculptées en Égypte. Par exemple, la statue du roi Khéphren qu'on trouve au musée du Caire est extrêmement dure à réaliser. Or, on ne trouve pratiquement aucune trace d'outil dessus. C'est un poli parfait. Je veux bien que ça prenne 20 ans à un ouvrier, je ne suis pas contre. Le problème, c'est que ça n'expliquera pas comment on fait des moulages aussi parfaits, aussi précis, ceux, par exemple, qu'a relevé Christopher Dunn. Christopher Dunn, son métier, c'est la précision. Il ne se paie pas des choses autrement que quand il les trouve conformes à l'idée de la précision. Or, c'est le cas partout. Il prend toutes les statues les plus importantes et elles sont dans des dimensions extrêmement précises. On ne pense pas, lui ni moi d'ailleurs, dès les débuts de ma réflexion, que ça soit possible par autre chose qu'une machine. Mais là, je garde mon opinion parce que je ne propose que des démonstrations. On en revient avec cette idée, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On n'en sort pas. Quel que soit le lieu et le moment, c'est ça, c'est une signature. Visitons maintenant un autre site fermé au public, Abou Sir. C'est un site militarisé, on ne peut pas y accéder, ça rend difficile toute recherche. L'intérêt quand même de connaître Abou Sir, c'est qu'il réunit toutes les énigmes techniques, voire technologiques, entre guillemets, de l'Égypte ancienne. À ce titre-là, il devrait être classifié, si je puis dire, pour tout public, ça n'est pas le cas.
égyptologues, quand on leur pose des questions sur les matériaux aussi finement terminés, avec une précision quasi diabolique, répondent toujours la même chose. Ils l'ont fait, à coup sûr, mais ils ne disent pas comment. Ils disent, ce sont des gens qui sont spécialisés dans le surfaçage, il leur faudra 20 ans pour faire cela, et dire plus. Mais ils ne répondent pas à la question fondamentale, pourquoi mettrait-on 20 ans pour surfacer quelque chose qui pourrait rester grossier si, en fait, ce n'était pas les dimensions qui sont importantes là-dedans ? Donc si on prend le temps de surfacer, c'est pour montrer qu'on est capable de le faire, selon mon point de vue. Certains détracteurs se sont offusqués de la manière biaisée selon laquelle nous aurions présenté l'égyptologie. Et le débat a alors porté sur la démarche de LRDP, visant à tenter de décrédibiliser globalement la science à notre profit. Ces détracteurs vont chercher dans les ouvrages d'égyptologie des éléments pour contredire les faits apportés, et surtout montrer que les égyptologues travaillent et connaissent bien tout ce qui est évoqué dans la révélation des pyramides. Or, ce n'est pas exactement ce qui est montré dans le film. Effectivement, si certains apportent des explications, comme c'est le cas pour les trous forés dans le granit, les résultats des expériences réalisées ne rendent pas compte des observations de terrain. On nous propose des technologies à base de tubes qui tourneraient, des scies de cuivre, même voire des fils enduits de corindon ou de pierres dures, etc. Le problème, c'est que moi, je me suis confronté à ce genre de choses, étant, comme je l'ai dit, pragmatique, et le résultat, c'est néant. Je mets au défi toutes les personnes qui prétendent cela de le faire tel que ça apparaît en Égypte. On l'a vu d'ailleurs dans le problème des trous qu'on trouve à Abu Ghulab. Ces trous sont finement ciselés en spirale. Qu'on nous trouve une technologie qui expliquerait cela, et là, j'admets tout sans réserve. Le grand public ignore généralement beaucoup de choses concernant l'Égypte ancienne. Ce pavage, par exemple, juste à côté de la face est de la Grande Pyramide. Quelles que soient les choses que j'ai vues en Égypte et ailleurs dans le monde, je constate que la difficulté est extrême dans toutes les réalisations, qu'il y a une maîtrise absolue, quelles que soient ces difficultés, qu'on soit avec des pierres très friables, des pierres cassantes, des pierres extrêmement dures, le résultat est quasi parfait. Et je ne vois pas pourquoi on mettrait de telles sommes de travail, d'efforts et de techniques que je n'ai toujours pas comprises en œuvre pour ce résultat-là qui apparaît incompréhensible. 40 000 pièces de vaisselle sous la pyramide de Saqqara, à quoi ça rime ?
Confronté à tout ceci, parce que je ne trouvais pas d'explication satisfaisante de la part de l'égyptologie quand elle en fournissait, je me suis décidé à en faire un film, convaincu que le meilleur moyen d'obtenir des réponses serait de présenter ces faits au public et de le pousser à s'interroger comme je l'avais fait. Le paradoxe de ce sujet est que si l'égyptologie admet qu'elle n'a pas la réponse à toutes les interrogations, elle ne donne pas pour autant le droit aux non-initiés de remettre en question ses thèses. Elle paraît s'arroger le monopole de la vérité et réfuter par principe tous ceux qui la contredisent en les ignorant ou en les calomniant. Pour exemple, ce fameux disque de schiste, étonnamment complexe dans sa conception, jugé précieux au point d'avoir été disposé dans la tombe d'un prince, il est pourtant dédaigné par l'égyptologie qui n'en fait jamais état dans les ouvrages de vulgarisation. Si sa forme évoque davantage des aspects fonctionnels que décoratifs, et bien que son âge soit estimé à environ 5000 ans, il ne vaut mieux pas y voir autre chose qu'un vase, sous peine de vous faire qualifier d'illuminé. On ne sait pas ce que c'est, mais on sait ce que ce n'est pas. Voilà ce qui ne me plaît pas. Bien que mon film ait déchaîné d'interminables pseudo-débats sur la toile, révélant au passage un nombre insoupçonné d'experts web en égyptologie, à part Bob et la radio Ici et Maintenant, aucun média n'a relayé l'information. Et Jean-Pierre Adam a repoussé toutes les sollicitations de débat. Alors récemment, je suis allé en Suisse à la sollicitation de M. Tony Van Kaenel, qui est polytechnicien et qui a étudié dans l'établissement même où M. Jean-Pierre Adam donne ses cours d'architecture, d'archéologie. Et donc, Tony Van Kaenel a sollicité M. Adam 3 fois. La première fois, il lui a été répondu « Je ne connais pas cet individu ». Voilà. On lui a donc envoyé une photo de Jean-Pierre Adam et de Jacques Grimaud face à face lors d'une interview, la première, qui s'est produite au Palais de la Découverte, en janvier, je crois, 2007. Ensuite, il a dit « Le temps des scientifiques ne doit pas être gaspillé, je n'ai aucun... » voilà. Ce à quoi M. Van Kaenel a répondu en disant « Mais ce serait l'occasion de mettre à bas une fois pour toutes les prétentions de M. Grimaud à savoir ce qu'il prétend savoir. » Il m'a été répondu « Moi, je ne discute pas avec les astrologues. » Donc la chose est entendue, on ne veut pas la confrontation, on l'évite par tout moyen. N'est-ce pas commode comme manière de procéder ? Tout ce que vous avez pu voir dans la révélation des pyramides ainsi que ce film ne sont pas dignes qu'on s'y intéresse. Soit les faits sont admis et l'absence de réaction est stupéfiante, soit ils sont rejetés, et auquel cas on ne peut le faire sans réelle contre-argumentation. Encore que, je le répète, moi je n'ai strictement rien contre M. Jean-Pierre Adam. Je pense que si je l'égratigne, il en fait autant pour moi, sans se gêner, la preuve. Et que par ailleurs, moi, les personnes que j'attaque ne sont pas les archéologues, pas les égyptologues, pas les scientifiques, mais les dogmatiques, ce qui n'a strictement rien à voir. Ce qui m'a surpris, c'est la réaction disproportionnée d'une poignée de détracteurs virulents, s'estimant rationnels, qui rejettent tout en bloc. Ils crient à la manipulation et essayent par tout moyen de prendre le film en défaut, en évoquant tout et n'importe quoi. Car ils pensent qu'en démontrant faux un élément du film, cela prouverait que l'ensemble est faux. Quand on leur répond, ils sortent les phrases du contexte et relancent sans fin. Et quand on ne leur répond pas, ils affirment nous avoir mouchés. Et parfois, au détour d'un commentaire, ils l'avouent. Bien qu'ils ne s'estiment pas compétents et ne connaissent pas le dossier en détail, qu'ils ne se soient jamais vraiment intéressés à l'Égypte avant le film, ils sont convaincus par avance qu'il s'agit d'une supercherie, et rien ne les fera changer d'avis. Depuis que ce film s'est répandu sur la toile, j'ai été l'objet, tout comme Patrice, que je suis venu défendre, c'est pourquoi je réponds à cette interview, parce que nous avons été affublés de toutes sortes d'épithètes, accusés de toutes sortes de malfaçons, d'exploitation, de manipulation, etc. Nous savons grosso modo de qui ça vient, des experts du web, ces gens qui savent tout sur tout au moment où vous le leur demandez, et même quand vous ne le leur demandez pas. Ils mettent en œuvre des ficelles du métier de communication, que je connais évidemment à fond, et ça a été mon métier pendant plus de 22 ans, et se croit possesseur du terrain. Le problème, c'est que les faits restent et ils sont toujours confrontés à ces faits. Moi, je n'existe pas, je ne vois pas pourquoi ils s'en prendraient à moi. De ce fait, je peux apparaître sur Internet dans des sites où on me traite d'homophobe, de nazi, d'antisémite, etc. Il y a le choix. Hein. Ça, c'est les arguments de gens qui n'ont pas d'arguments. Voilà. Moi, je dis, les faits sont ici, ils ont été présentés, vous pouvez les vérifier. Sur Wikipédia, sous Google Earth, dans les livres, etc., il n'y a aucune limite. Et je ne recevrai que les faits avérés qui seraient des attaques fondées contre les choses que j'ai apportées. Il est étonnant, par ailleurs, que j'aurais pu être le seul à remarquer cela. Mais c'est ce que dit René Descartes. Il dit, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une personne seule trouve ce qu'une population n'aura pas trouvé. Donc, référez-vous à Descartes. Moi, personnellement, je me considère comme authentiquement cartésien et pas simili-cartésien, pseudo-zététicien, etc., comme tous ces
personnage du web. J'ai été quelques années président de l'association Atlantis, association culturelle âgée de 87 ans. On prétend que c'est une secte. Il me semble qu'au bout de 87 ans, on aurait dû s'apercevoir de quelle secte il s'agit et quelles sont ses nuisances, etc. On aurait dû le dire dès que le film est sorti, ça aurait été mieux. Récapitulons. Une personne fait un jour une découverte. Les talons de mesure et les dimensions de la Grande Pyramide ont été choisis pour des raisons mathématiques par ses concepteurs, qui connaissaient le maître et ses relations avec les dimensions de la Terre. Vérifiant pendant 2 ans son travail, convaincu par l'importance et l'étendue de cette découverte, cet homme la garde pour lui pendant près de 40 ans tandis qu'il la développe. Et le jour où il décide de livrer son travail au public, voici comment certains réagissent. Ma démarche est toute particulière, à coup sûr, elle ne ressemble en rien à ce qui était déjà fait dans le domaine du documentaire, etc. Parce que j'ai voulu donner, et tu le sais mieux que quiconque, une voie pédagogique. C'est-à-dire, par une formulation particulière, inviter tous les spectateurs à se poser les vraies et les bonnes questions au bon moment dans le déroulement logique de mes découvertes. Parce que si j'ai découvert les choses que j'ai proposées, c'est bien parce que j'ai suivi un raisonnement logique. Pourquoi mon hypothèse est-elle très solide du point de vue de la métrologie, des mathématiques, de la géométrie, etc. Je n'y suis pour rien. C'est le constat que ce sont 3 types métrologiques concaténés. Le mètre, il faudra expliquer ça un jour ou un autre, la coudée, dont on ne sait que très peu de choses, et encore moins les constantes universelles mathématiques. Toutes les hypothèses que j'ai formulées, qu'on apprendra à connaître dans les films suivants, vont se trouver démontrées. Et là, il n'y aura plus rien à dire, sauf sur moi, évidemment, puisque ça semble faire plaisir à nos détracteurs. Suivant un cheminement logique et cartésien, je pensais, à tort, que les faits parleraient d'eux-mêmes et que la réflexion serait ouverte. Il apparaît cependant que l'égyptologie refuse de considérer le sujet qu'elle présente comme étant déjà connu et indigne d'intérêt et qu'elle attribue, au mieux à des individus avides d'argent et de notoriété, au pire à des négateurs de la science prenant des idées sectaires. Concernant l'argument de la démarche uniquement mercantile, l'avenir montrera que ce n'est assurément pas le cas. Je vous invite en revanche, par curiosité, à aller visiter le rayon égyptologie des grandes librairies et à vous intéresser à ses auteurs. Concernant l'argument d'un comportement sectaire, il m'apparaît évident qu'en incitant simplement les gens à réfléchir par eux-mêmes selon une démarche cartésienne, notre démarche y soit totalement opposée. La position des égyptologues face aux faits présentés est étonnante. Il apparaît une incapacité absolue à se remettre en question ou à apporter des explications pour contredire des éléments strictement factuels. À qui profite la position officielle de l'égyptologie ? Aux chercheurs indépendants œuvrant sur leur temps personnel avec leur argent et des investissements privés ou aux chercheurs officiels financés par les États ? À ce titre, on nous doit des comptes. Il est du devoir des égyptologues d'accepter le débat et la confrontation des idées, autrement qu'en opposant une fin de non-recevoir à toute discussion. Si nous sommes aujourd'hui si nombreux à nous interroger, c'est bien parce que les explications techniques apportées par l'égyptologie ne sont absolument pas convaincantes et que les réponses sont loin d'être apportées. Avant de vous laisser, je souhaite vous éclairer sur la préparation du prochain film portant sur les travaux de Jacques Grimaud et notre situation, car j'ai le sentiment que c'est un sujet de préoccupation pour certains qui attendent des réponses afin de décider s'il faut ou non croire en mon film. Je vais donc à nouveau répéter de ne pas croire, mais à l'inverse, de vous extraire de toute croyance et de toute idée préconçue, afin de considérer les faits bruts et d'observer les relations logiques. Mon seul objectif est de vous pousser à vous documenter afin de vous permettre de mener votre propre réflexion et éventuellement de vous rendre sur site pour ceux qui le peuvent. Je sais combien ce sujet peut intriguer, passionner ou déranger. Je sais aussi qu'il n'est pas facile de remettre en question ce que l'on prend pour acquis. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça change d'envisager une civilisation antérieure technologiquement évoluée ? Qu'elle ait généreusement souhaité laisser un message à une civilisation future est probablement la chose la plus inconcevable à nos yeux.
nous qui ne sommes pas capables de nous projeter de manière réaliste à 15 ans. Concernant le prochain film, la relation avec la société de production est surréaliste depuis 6 ans. Plutôt que d'assurer le développement et le soutien du film et de ses auteurs, cette société de production, par l'intermédiaire de son dirigeant, tente aujourd'hui de s'accaparer notre travail, ceci par la voie de procédures en justice ou en nous prêtant des paroles, des idées ou des comportements tout aussi inadmissibles qu'absurdes, mettant ainsi un frein à la réalisation de mes prochains films. Digne des pratiques d'un autre temps, tout ceci est affligeant, surtout lorsque l'on met cette situation en perspective avec le sujet de mon film. Avant de vous le proposer sous la forme d'une série de films, j'ai vérifié le travail de Jacques pendant de très nombreuses années. Ce qui me convainc est l'accumulation impressionnante de faits, si important qu'arguer l'intervention du hasard se répétant inexorablement pour justifier ces multiples coïncidences ne peut être qu'une pure construction de l'esprit. À part Shenzhen en Chine, Yonaguni au Japon et certains lieux de l'équateur penché, je suis allé un par un sur tous les sites que je vous ai montrés dans mon film. J'ai pris le temps de les observer en détail et de vérifier la parfaite cohérence des faits présentés. Je peux vous assurer que le problème est bien réel et défie les explications courantes. Alors ceux qui affirment que l'on voit tout ce que l'on veut voir, que l'on trouve tout ce que l'on veut trouver, souvent sans même être allé visiter les sites en question, vont devoir s'accrocher, car la révélation des pyramides n'était qu'une introduction au sujet. L'enquête continue. Welcome from France.